cette chanson là. Et ouais. Et ouais, mon gars. Écoute bien. Bref, donc Far Cry Blood Dragon, ça fait un moment qu'on me pète des pruneaux pour pour que je le stream, cet enculé. Donc on va s'y mettre dès maintenant, tout de suite. Voilà, le menu principal très sobre de Far Cry Blood Dragon. Alors je pense que littéralement le monde entier l'a fait, ce compte jeu. Mais je pense qu'il vaut le coup quand même d'être fait en rab et encore en rab. Je vais monter un peu mon son de mon côté. Je pense que le son du jeu va être assez doux. Mais c'est pas grave, on va recommencer. Ça, c'était la partie que Adou avait commencé chez WAM. Tac, on va se foutre sur sa save à lui. Parce que je l'emmerde. Tu recommenceras le jeu, Adou, hein. Promis. Allez, médium, et c'est parti. N'importe quoi, personne t'a embêté avec ça. Non mais le truc c'est que je sais qu'une fois que j'aurai fini Far Cry Blood Dragon, il trouvera un autre sujet sur lequel me casser les couilles, genre le convoi des couillons, le Forgecast, qu'est-ce qu'il y a d'autre. Il va trouver les moyens de me péter les couilles, Spider. Hein. Il est très fort à ça. Hein. Chut, faut gueule. L'espace. La Terre. Dans un futur proche, à la fin du 20e siècle. La planète est en proie à une guerre nucléaire. Chut. Des centres radioactifs de l'Amérique du Nord naît une nouvelle race de soldats. J'adore cette cinématique, putain. Elle est parfaite, quoi. Cortex opérationnel. Onde Theta à 4 pulsations en hausse. 4,6 maintenant. Ça marche. Passez en Delta. Gardez-le sous 0,5 pulsations. Organe moteur opérationnel. Cybercœur bat à 130% de ses capacités. C'est un costaud. Téléchargez le programme. Bon retour parmi nous, sergent Rex Powercold. Vous êtes un type 4 désormais. Mi-homme, mi-machine, mais 100% cyber-commando. Ah, putain, j'adore. Et là, on va se faire démonétiser la vidéo. On se réveille, princesse. Le central dit qu'il y a un décalage dans ton alim. Et il veut recalibrer ton cybercu. Moi? Pas moi, en tout cas. Moi, je suis parfait, mon pote. Il y a des mecs qui rêveraient d'être comme moi. Et toi, les mecs, c'est ton truc? Ouais, je sais. On approche de la cible. Téléchargement des ordres de Briar Patch. Paramètres de la mission. Pénétrer le bunker de l'ennemi et télécharger les données de ses opérations. Force létale activée. Menace de secteur noir. Je répète, menace de secteur noir. Restriction de la convention de Genève levée. Lieutenant. Ah, je peux pas te dire, sergent. Mais secteur noir, ça peut signifier qu'une chose, des forces armées. N'est pas une bonne nouvelle, Spider. Alerte, alerte. Attends, bouge pas, bougez pas. J'ai oublié de foutre, de mettre à jour, putain, Far Cry. J'ai oublié de foutre à jour le putain de dashboard, quoi. C'est pas possible. Enfin, bordel de merde. Voilà, ce sera le titre du stream. Et on attend. Je vais monter un peu le son du stream pour les cinématiques. Et comme ça, je parlerai moins. Et ce sera bien. Ok? Allez, on y retourne. Réseau de télédétection laser repéré. Hélidrone 7-3 hors vecteur furtif. Évasion. 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 Ça veut dire ce que je crois que ça veut dire? Exactement comme cette chose en Amérique centrale. Je crois que je vais m'en payer une tranche. Allez, référence Predator, c'est parti. Ok, la musique plus fort déjà. La musique beaucoup plus fort.
T'inquiète pas, regarde, tac, audio, tac, musique, on peut rien changer. Waouh, ces options de son, mon gars. Tant pis, eh ben écoute, allez vous faire tous enculer. C'est sérieux, c'est tout? Te fous pas... Mais non, mais... Oh là là. Oh là, c'est chaud quand même. Ok! Vite! En direction des coordonnées. Je dois aller faire mon boulot. J'ai trouvé l'entrée du bunker! Et je vais attirer leur attention. On va leur montrer de quoi sont capables des cybercommandos. Façon type 4, enfoiré! Yes! Yes! Ah! Ah, les étoiles ninja et tout, le flingue de Robocop, la main sur les couilles. Voilà. Ah, c'est une tuerie. Tiens, cadeau. Chargement de la rubrique 101 du didacticiel de la navigation militaire pour les nuls. Équipement automatique des armes pour approche silencieuse. Oh, espèce de connard. Le mec, il a déclenché son putain de tutoriel pour nous casser les couilles. Appuyez sur entrée pour démontrer votre habilité à lire. Ok, entrée. Sautez si le cœur vous en dit. Appuyez sur espace, vous rend capable de bouger sur l'axe Z sans toucher le sol. Ok. Spider, je te déteste. Moi aussi, Spider, je te déteste. C'est active vos quadriceps et challenge votre sens de l'équilibre. Ok, super. Laissez-moi tuer des gens, vas-y. Allez! ZQSD, we're just focusing on slowing down your pace from run to something significantly slower. Pourquoi? Yes, enfin, allez. Courir consiste à marcher, mais plus vite. Yes! Ok, let's go. Ces didacticiels vous empêchent-ils de semer le chaos? Yes! Voilà, impeccable. C'est bon, on a quasiment fini, je crois. On peut glisser déjà ou quoi? Tuer un ennemi. Non, on peut... j'ai pas vu si on pouvait glisser. When your undetected enemies cannot see you, allowing you to kill nearby enemies from behind by pressing F. Ok. Stealth! Eh! Ah! Oui, du coup, ils parlent français aussi, les ennemis. Là. Tag by engaging your ocular sense and zooming over a target until it is highlighted. Comment on fait déjà? W, yes. Ça, c'est super stylé par contre. Putain, j'avais oublié cette vision là. Mon gars, c'est tellement Robocop de ouf quoi. Cyber Eye off! Barbecue shoes on! Détournez l'attention des ennemis embusqués grâce à votre dé, gros geek. J'adore! Et donc, ouais, tu balances un vrai. C'est un D20, je crois. En plus, c'est même pas un D6, c'est un D20, il me semble. Haha. Attends, j'ai juste fait un truc. Au lieu de C, parce que c'est un truc un peu de dégueulasse, ça va être sur contrôle. Il est où? Crouch. On peut même pas choisir quel type d'accroupissement on a.
Ça me plaît pas, ça. Ça me plaît pas, mais malgré tous ces problèmes, comme dit Arcana, ils auront beau faire de leur mieux, Ubisoft réussira jamais à créer un chef-d'œuvre comme Blood Dragon. Et ça c'est vrai, quoi. C'est tellement, tellement plein d'humour et de grosses références beaucoup trop stylées, enfin... T'es un mec bien, mon frère. Ah, tu vois, c'est un D20. Je sais pas pourquoi ils disent un D6. Après une élimination à la lame, vous pouvez effectuer des éliminations enchaînées. Hop, Z, merde, c'était Z. Le con. Ok, j'imagine que c'est trop fort là le son, non? C'est à vous de me dire. Est-ce que il peut crever un jour? Voilà. Attends, on peut se healer. Voilà, pour l'instant on a des genres de steam pack pour se healer, mais ensuite ça changera. Enfin, quand t'as plus de steam pack, en fait, ça change un petit peu. Et c'est pareil, c'est que des références en fait. D'ailleurs, ce flingue s'appelle d'ailleurs, si on peut ouvrir ça, Data Console. Research Data, je crois. Voilà. La JM9. Voilà, exactement comme. Le son est pas assez fort. Montre le son du PC. Non, c'est même un peu le contraire pour le voix. De quoi vous parlez, vos gueules? Donc la JM9, hein, c'est comme, voilà, c'est encore Alex Murphy, donc c'est encore ce putain de Robocop. It's a given that this handgun is awesome, with a kick-ass muzzle flash and 3-round burst fire that's like mule-kicking enemies in Chucky's. The gun was built and named in honor of a fallen DPD cop who fell in the line of duty fighting the creeps of the Detroit megaslums and industrial wastelands. Donc c'est bien une grosse référence de bâtard. Les voix sont trop basses, mais je peux rien changer de toute façon, donc démerde-toi. Alex John Mandela, c'est lui. C'est exactement lui. Ah oui, comment on fait les fucks déjà? Je crois que c'est les takedown, mais de loin, non? Genre faux. Voilà, voilà, c'est ça, c'est bien ce que je me disais. Grimper pour monter. Chargement des astuces d'entraînement de l'ABC de la guerre. Ok, donc ça c'est un truc de détection, on est bon. Press to shoot, aim down the sights, nanana. These tutorials are brought to you by Kobayashi Cyborg Lubricant, lubricating your future. Use objects and environment as cover. Press middle mouse button to throw a grenade. You can hold to cook the grenade and then release to throw it. Walking over bodies automatically loots ammo. For credits, you must search the bodies. Tired of tutorials? Upgrade now to Kobayashi Tutorial Premium and let us play the game for you. Press and hold Esperluette to access the weapon wheel, which isn't a real wheel used in navigating vehicles, but a metaphoric one. Hold A to use nanomeds when injured. Now shooting bad guys is more fun than ever with cyber points. Earn cyber points by killing enemies, completing objectives and stealing collectibles that don't belong to you. Level to learn skills and become a bigger, better cyber... Je crois que c'était marqué un autre mot là avec une autre lettre avant le B, à la place du B. Annoying? Press enter to make these patronizing screens go away. Et voilà. C'est saloperie de didacticiel. Mais en plus ils sont au courant, mais ils continuent, hein. Ils vannent sur ça, mais ils sont au courant que c'est de la merde, hein. C'est putain de didacticiel. Mais ils continuent à nous les foutre dans la gueule, hein. Attends, je suis un peu trop sensible. Bouge pas, je vais bouger un peu ma sensibilité. Control. Sensitivity. Voilà. Ça a rien changé, je crois que j'ai pas fait appliquer, je crois. Je suis malade. Non, pas calibration, contrôle. Ah c'est ça, j'ai oublié. Hop, bip, comme ça. Normalement ça devrait être impeccable. Ah il est sensible, ouais. Pas beaucoup mieux mais c'est pas grave. Ouais. Les vacances peuvent commencer. Ok. Allez, l'école est finie. Les vacances peuvent commencer, l'école est finie. Ok, ok, super. Donc ça reste, par contre ça reste exactement le même principe que... Ah. Et bah merde. Eh bah tant pis pour l'infiltration, hein, on va faire ça à la violente, hein. Tant pis, on a plus l'habitude de toute façon. Nique ta grosse race. Tiens, tu peux manger une explosion dans ta mère aussi. Hop. Est-ce que j'ai un fusil d'assaut? Ouais, c'est bon. Et bah voilà, impeccable. Ah, c'est un fusil sniper, c'est pas un fusil d'assaut du tout. Quel abruti. Oh yes. Oh yes. Avec les bons bruitages dégueulasses. C'est génial. Vite, le pompe pour faire spin à mort. Ok, d'accord.
Et bah je sors le pompe alors. Attends parce qu'il est un peu loin. Ah mais attends. Mais je suis au max ou quoi? Attends, y a... Non, level 1. Mais comment ça se fait? Y'a un problème, non? Je suis pas censé pouvoir tirer aussi vite, il me semble. Non? Je sais pas. Non, c'est bizarre. À la base, il me semblait que... Bon, bah, je sais pas. Peut-être que je me souviens mal. Mais il me semblait justement qu'il était un peu long à recharger. Enfin, à réarmer entre deux tirs. Ah, la bande-son, mon gars. Même dans la bande-son, il y a une référence à Terminator. À Doom, il a Axa Save et ça a tout niqué. Bah ouais, non mais c'est chelou. Tiens, nique ta grosse race. Il est mort de fatigue. Il est mort de fatigue. Y'a quoi en face là? Là-bas. Hop, nique ta grosse race. Il doit être allé à la mort. Si, c'était le plus lent. Bah ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Bah je sais pas ce qu'il y a avec ma save. Écoute, tant pis, de toute façon, je pense pas que je le finirai en stream ni rien, c'était juste pour faire fermer sa gueule à Spider. Y'a pas un easter egg sur la posture de la tenue fusil à pompe? Bah, déjà, le fusil à pompe en lui-même est un easter egg, mais la tenue, je crois que c'est une référence à un plus vieux film duquel je suis pas vraiment familier. Avec lequel je suis pas vraiment familier, je veux dire. Hop, hop, merde. Ouh! Oh, le sub! Le timing du sub, encore une fois. Merci beaucoup, Kaidan. Merci beaucoup pour le comment on dit, le prime, le prime time. Yes, Dwelly, je t'ai vu sub avant que tu le fasses. Merci beaucoup, Dwelly. Voilà, c'est niqué tout le monde là. Power Glove, ils ont fait un super boulot sur la soundtrack. Ouais, Power Glove, en fait, c'est après avoir joué à Hotline Miami et à ce jeu-là, j'ai commencé à écouter Power Glove. Et que j'ai lancé du coup, que je me suis mis à faire de la synthwave avec Mox. Et je trouve que aujourd'hui, ils font un peu partie des classiques. Un peu comme AC/DC fait partie des classiques du rock, tu vois ce que je veux dire? Y'a rien de très nouveau dans ce qu'ils font. Mais Power Glove font quand même du super super boulot. Notamment Trials of the Blood Dragon. Y a un jeu, Trials, qui est sorti en référence à Blood Dragon, où tu joues les enfants de Rex Power Cult. Et donc il y a une bande-son aussi qui est un petit peu vénère. Et dedans, il y a un remix, en particulier il y a une chanson, qui est un remix de Carpenter Brut par Power Glove, qui est complètement dingue. Elle est complètement dingue au drôle. C'est pas une ref à Evil Dead, la tenue fusil? Si, avec la tronçonneuse, t'as raison, bien sûr. Ben oui, il la tient comme ça à cause de la tronçonneuse. Mais oui, son boomstick. Donc c'est un fusil de Terminator tenu par une référence de Evil Dead. tu sens que les gars, ils ont pas fini, quoi. Tu sens que les mecs, ils ont dû mater pendant deux semaines que des vieux films des années 90. Ah, il est là. Attends, faut que je protège Spider encore. Je fais que ça. Mais c'est niqué, non? Ah non, peut-être que... Je crois que c'est parce que je perds mes compétences. Ben oui. C'est parce que c'est le début. C'est parce que c'est le début que je tiens comme ça mon truc, enfin qui tire aussi vite. Parce que après je perds mes compétences. Je crois. Attends. Hétérodine 8000. C'est Cyberdine d'ailleurs la compagnie dans Terminator. Dans Robocop. Je crois, non, c'est Cyberdyne, il me semble. Et là, c'est Hétérodyne. Pourquoi? Non, mais fonce pas. Laisse-moi me démerder, poteau. D'accord? On fait comme ça? Oh, j'adore cette vision, mon gars! À mi-chemin entre Robocop et Predator, quoi. on est d'accord, le jeu est parfait, hein. Y'a même pas à chercher. Comment on fait déjà pour utiliser. J'ai pas les shurikens. Attends, j'ai la JM9, le Phasertron, Cobra Con et Galeria 1991. Ouh, attends, Galeria 1991, ça me rappelle un truc aussi. Unité armée de cocktail Molotov détectée.
Bon, de toute façon, ça va partir en couille, donc je peux y aller direct, je pense. Hein. Hop, nique ta grosse race. Faut juste faire attention à ce que Spider ne crève pas. Comme IRL, hein. Hop, toi, tu crèves ta grosse mère, par contre. Voilà, impeccable. De toute façon, au début du jeu, on est un peu immortel. Hein. Je vais crever dans quelques minutes et Spider, il va dire « Au début du jeu, on est immortel !» Je le sens venir. Je sens venir la moquerie, là. Il est méchant avec moi, Spider. Hop, hop, ta gueule. Hop, nique ta mère. Hop, étoile ninja en ta gueule. Tiens, petit fuck. Le jeu est pas très très vénère de toute façon. Non, il est pas très compliqué, hein, vraiment. Je pense qu'il est pas fait pour... c'est pas vraiment un jeu qui est fait pour te donner du fil à retordre et du gros challenge de ouf. Non, je pense pas. C'est un jeu à ambiance, quoi. Et putain, qu'est-ce qu'il gère, quoi. C'est pareil, hein, le jeu, c'est, il est pas très compliqué dans le sens où t'as quelques missions d'histoire. Et le reste, c'est des camps à vider, en fait. Donc, et encore moins que dans Far Cry 3 normal. C'est pas, vraiment pas compliqué, il est pas long en plus, donc... Je l'avais commencé en mode collect-a-thon, mais ça m'avait saoulé et je l'ai jamais terminé. Ah oui, tu l'as même pas fini, quoi. C'est un peu la honte, hein. C'est un peu la honte. Eh les gars, Spider, il a pas fini Blood Dragon. C'est un peu la honte, non ? Pour tester la dispersion de charge dans le désert canadien. Dans le désert canadien. Oh, j'adore. Le désert canadien de l'année 2007. Parce que oui, ça se passe dans le futur de 2007. Je sais pas si ça a été dit. On est en 2007. C'est le futur. Allez go. Putain, j'adore le design du sniper. Regarde. Il y a plein de petits trucs qui brillent. Il y a des espèces de scanlines sur toute la vision. Il y a des néons. C'est ça. Ah. Je suis bien là. Ow. Cinématoche. La voilà. Unité centrale trouvée. Sécurisez les données. Envoie la magie noire, lieutenant. Hé, hey, t'en prends pas à ton frère parce qu'il est doué. Alerte. Accès non autorisé détecté. Bunker Kimball. Entrez le mot de passe. Vous avez 20 secondes pour valider. Spider. Merde, je sais. 5, 4, 3, 2, 1. Contre-mesure de sécurité enclenchée. Début du diagnostic préliminaire. Lancement du protocole de décapitation. Les drones ont détecté plusieurs signatures thermiques en approche. Il se met en position, lieutenant. Je te couvre. T'as intérêt. Objectif. Protéger le lieutenant Brown pendant... Yeah! Avec le petit... Entendez le petit solo derrière, là? Mais ça risque de crier mon CPU cérébral. Et c'est surtout de rester en vie. T'as une femme et un gosse qui t'attendent chez toi. Rex! Si je me plante, tu leur diras... Tu leur diras que je suis mort pour mon pays! Tu leur diras toi-même. Ok. Distribution de pain. Yes! Oh, j'adore. J'adore. J'ai infiltré la première couche de micropuce. Mange-toi. Ok, let's go. Limite, je crois que cette partie du jeu, c'est une des rares parties dans le jeu que tu peux fail assez facilement quand tu fais pas trop gaffe. Mais même là... Oh là là. Putain, mais il m'évite ou quoi? Ils évitent mes balles ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Genre, ils veulent pas mourir, quoi. Je sais plus d'ailleurs comment ils s'appellent. Je crois qu'ils s'appellent Omega, les méchants, non? Oula. Je vais crever, là. Allez. Yes. Pekeb. Voilà, reviens, là. Oula. Recharge un jour. Je t'en supplie, Rex Power Colt. Ouais, je suis dans le jeu. Bah, écoute... Hop, ta gueule. C'est l'Omega Force, ouais, c'est ça, ouais. Omega Force, avec leur casque de moto, là. Hop. Attends, bougez pas, je me concentre juste quelques secondes encore. Et ensuite, on est bon, d'accord ?
Merde, je crois que j'ai posé les mines n'importe où là. Ah, je crois là. Oh le con. Oh le con. Je croyais que j'avais du C4 dans la main, j'ai fait péter une mine juste à côté. Juste à côté du gentil. Ah l'abruti. Attends. Putain, j'ai buté Spider. Tiens, cadeau. Et voilà, j'ai infiltré la première couche de micro plus. J'en mets juste un là, d'accord? Et ensuite le reste on voit. On fait comme ça? Ok. Bah, c'est des explosions un peu vénères, hein. je trouve même que c'est un peu trop, moi. Encore une minute. Quelque part, en fait, c'est pas de ma faute que je sois mort. Quelque part, c'est la photo d'Eve. Tu vois ce que je veux dire? Le chanteur. Celui qui chante du côté de chez Swan, bien sûr. C'est Dave qui chantait du côté de chez Swan ou c'est Claude François? Je sais plus. Non, c'est Claude François. On va qu'on a affaire à un professionnel. Ah ouais? Bah, au moins, moi, je suis pas un gros fils de pute. No scope. C'est ça, inverse la polarité de mon cul. Ok. Restez là tranquille. Clo-Clo, Dave. Ah. Ok, donc il y a des guerres intestines. Ah, oh, mais non, c'est pas ça que je voulais. Il y a des guerres intestines au sein du chat. Y'a personne là-bas? Non, c'est bon. Spider est toujours tout seul. Ah, putain. Oui, même le sniper, il était pas semi-automatique sur les parties quand tu commences. Donc c'est bien ça, en fait. Comme c'est le début du jeu, t'as les armes un peu surgonflées. Mais sinon c'est pas le cas. Est-ce que je peux lancer une grenade? J'ai pas de grenade. J'ai une grenade. J'ai lancé n'importe comment. Je vais crever. J'ai pas de munitions. C'est la merde. Spider, c'est la merde. Je t'en supplie, crève. Yes. C'est ça, recompile ta mère ou je sais pas quoi là. Dépêche-toi. Lieutenant Spider, non. Dépêche-toi. J'ai récupéré un cœur, ça te dérange pas, hein. Ok, voilà. Vous voyez que c'est facile, il est facile le jeu. Spider, du nerf, lieutenant. Qu'est-ce que je suis censé faire? Merde. Helidrone 7-3, demande évacuation immédiate. Le lieutenant Brown est touché. Helidrone 7-3, en approche. Rex! Trop d'informations! Il a corrompu! Du sang! Début du compte à rebours de la frappe de décapitation. La frappe de décapitation, gars. Le lancement du missile est autonome. Trouve le panneau de contrôle. Quoi? Commande. Allumage sur le panneau de contrôle. Explose la cage cérébrale. Rex, explose. Oh. Merde. Non. HUD. Quoi? Oui, oui, il me fait rire aussi, Chewie. Quoi? C'est quand même con de se dire que Rex Power Cold, c'est un des meilleurs. Enfin, c'est même le meilleur personnage de Far Cry. Alors qu'il est là que sur un espèce de vieux standalone à la con, fait juste pour se marrer. Fini. Quoi? La bande son qu'on entend là, c'est clairement une référence à Terminator là. Est-ce que t'as vu que le hint disait de lancer un dé et si on faisait un 20, on faisait un coup critique sur un orc?
Ils sont de retour, colonel. Merci, darling. Oh ! C'est docteur, darling. Docteur Elisabeth Veronica, darling. Colonel Sloan, c'est nous. Le sergent Rex Power Colt. Le lieutenant Titi Brown. Ah, Titi. Bien sûr. Et c'est vous qu'on envoie pour me tuer. Alors ça, c'est ce que j'appelle un bel exemple de connerie. Darling, vous avez devant vous deux authentiques type 4. Le top du top. À l'époque. Je sais ce qui est arrivé à votre visage. Le prix de la puissance, les gars. C'est une belle petite salope exigeante. Mais elle déménage pas mal. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? On raconte que vous avez franchi la ligne. Ça doit être une erreur. Depuis l'atomisation du Canada et l'invasion de l'Australie, le monde est sans dessus-dessous. Nous avons perdu pied, messieurs. Et aujourd'hui, le gouvernement, notre gouvernement, parle de réconciliation avec la menace communiste. Mais j'ai les moyens de rectifier le tir. Rex, il est dingue, mec. Quels sont vos ordres à mon sujet et à celui de l'Omega Force, hein? Que sait Washington? J'en regrette, monsieur. Je vous respecte, mais je ne peux pas. Alors t'as gobé toute leur connerie. C'est regrettable. T'as vraiment téléchargé mon unité centrale dans ton cortex? Allez vous faire foutre! Je sais ce que vous préparez. Les types 4 étaient futés, mais trop autonomes. Bordel de merde! Oh oui! Tout le monde peut être tenu au courant. Ou finir déconnecté. Non ! Vous êtes mort. Les types 4 ont reçu tout mon savoir en matière de combat, non ? J'ai une idée. On va voir ce que tu vaux sur le terrain, petit. Oh putain. Oh putain. Sergent Rex Colt. C'est vraiment Kano, ouais, ouais, c'est vraiment Kano. Je me suis branché à votre communicateur en vous examinant. Sloan vous a coupé de prière flash. C'était quoi ce bordel? Je vais vous envoyer les coordonnées d'un endroit sûr. Et pourquoi je devrais vous croire? Parce que je hais Sloan. Ok, Doc, quel est le plan? Baissez-vous et ne faites pas de bruit. Les dragons de sang ont une mauvaise vue, mais ils raffolent des humains et des cyborgs. Quoi? Allô? Merde. Donc voilà, ok, les dragons de sang, c'est parti mon gars. Sortie trouvée. J'adore. Mec, je suis tellement fan quoi. Vous n'avez aucun équipement et vous êtes sans défense. Voilà. Évitez tout contact avec les cyber-soldats. Eh, la phase chiante, ouais, ça c'est une bonne phase relou, ouais. Les dragons de sang, ils sont tellement stylés aussi. C'est des lézards plus que les dragons, mais. Cette mort bleue. Oh putain de merde. Les voilà, les Blood Dragons. Mec, t'es sur une île où il y a des dragons laser, quoi. Prends des photos, fais un truc, fous-les sur Trivago. Être judicieux de vous baisser. La créature émet des bioradiations. J'ai calibré votre scanner pour qu'il indique sa présence. Ok. Ok, doucely maintenant. Faut y aller doucely là. C'est ça, fini ton repas. Juste en courant, t'as moyen de passer cette phase. Franchement, Hoffman, tu vois. D'habitude, j'aime bien te croire parce que t'es assez rigolo. Mais là, je pense que c'est des carabistouilles. Ah, je peux même pas balancer de dés quoi. Si j'étais pas là. Donc ouais, il faut que je passe devant. Hein. Je vais passer loin. Ah, il fait le tour. Ok, je vais repasser par là. doucely. Hein. Ah, on est vraiment dans un Blood Dragon Pit, quoi. C'est le nom de mon prochain album, d'ailleurs. Hein. Je l'ai fait en courant avant-hier, Russienne. Ouais, mais toi, t'es un dangereux. Toi, t'es possédé, toi. Mange
fais comment avec ce truc en travers du chemin, moi ? Capacité olfactive renforcée détectée. Lancer des cybercœurs. Ah oui, voilà, faut récupérer des cybercœurs. Des cybercœurs. J'adore. Y a pas à dire, y a pas une époque où cybercœur c'était pas cool. Faut, je sais pas pourquoi on a plus le droit au cybercœur. Ici, petit buddy. Non, oh, il m'a fait peur. S'il te plaît, avance, je t'en supplie. Ok, doucement. Objectif. Je vais me casser maintenant. Ok, je me casse. C'est la merde, c'est pas grave. Pas grave. Tiens, hop là. Pas grave, pas le temps. Ok, on peut faire des roulades. Allô. Ok, c'est bon. Les Blood Dragon. Ouh. Lancer un cybercœur sur les marqueurs que j'ai indiqués. Attends, je vais en balancer un autre petit au cas où. Les méga-forces viennent de débarquer. Je ne suis pas censé être là. Oh non, ils encerclent les scientifiques. Alors sortez. Pas si vous voulez avoir Sloan. Vous devez sécuriser. Ok, c'est bon, on peut passer. Ok. Je détecte des armes utilisables. On se calme. Ils m'ont chopé ou pas? Je pense qu'ils m'ont pas chopé. Yes! Un cyber-arc! Avec des cyber-flèches! Yes, regarde. J'adore ce truc, putain. Mais je suis fan! Plusieurs options pour sécuriser les garnisons. Vous pouvez tuer vous-même tous les ennemis, attirer les dragons vers les portes principales, ou désactiver les méga-boucliers. Oh! Ceci attirera automatiquement... Ah mais oui, mais en fait... Attends, je vais essayer d'isoler le son, attends. Une fois qu'il aura fermé sa gueule... Ta gueule, HUD. Voilà. Fais ce que je veux. Voilà. Bien reçu. Je vous rappelle juste qu'il y a deux façons de désactiver les méga-boucliers. Avec la console ou directement depuis le générateur que vous pouvez détruire. Bla bla bla, tuer, bla bla bla. Voilà. Écoute le bruit quand on fout la merde, les yeux, les cyber yeux là. Écoute le bruit. Mettez votre son plus fort. C'est littéralement, en fait, c'est pas une référence à Predator, c'est littéralement le bruit des scalaires de Predator. C'est littéralement. Ok, alors, donc il y a un truc là-bas, il y a un truc ici. On va le faire directement par ici, on va pas se faire chier à faire des trucs, à faire un truc un peu spéciaux ou quoi. Hop, on rentre dedans vénère. Il y a un mec là ou quoi? Il va y avoir un petit mec là, non? Yes, donne ça. Hop, comme ça. Ici, arc, comme ça, terminé. Je crois que je peux niquer d'ici là. Alors ça mérite un petit master shooter là. Bah ouais. Alors attends, ici c'est chaud parce qu'ils se voient tous, mais là c'est bon ça. Regarde, lui là. Impeccable. Y a pas une autre... Ok, je vais descendre par là. Ok, c'est bon. Ils m'ont chopé? Merde, ils m'ont chopé, je crois. Ah. Coucou. Ok, attends, on va monter là. On va les niquer, t'inquiète. On va faire ça pour Spider. Le leur, hein, pas le nôtre. On fait rien pour Spider, nous. Attends. Bon, bah tant pis, on ira pas tout de suite. Si Michel Dumas se met au walkthrough. Je croyais que tu allais dire si Michel Dumas devient un cyborg. Mais c'est déjà, je pense, un cyborg. Bonne nuit, petit prince. Bonne nuit, petit prince. Oh, c'était quoi? Ok, je crois qu'il y avait plein d'ennemis devant moi. C'est bon, on est bon, là. Impeccable, je peux l'éviter ou quoi? Ah moi c'est bon. Eh mec, envoyez-moi vos coordonnées. Est-ce que c'est pas le premier camp que j'ai fait entièrement en discrétion? Même dans New Dawn et même dans 5, j'ai jamais fait un camp en full discrétion à part là. Mais je dois avouer que quand même le jeu est, même s'il est, il est pas difficile, hein, mais le jeu est quand même plus difficile que Far Cry 5, qui est vraiment c'est la touchette quoi. Far Cry 5, y a pas un moment qui est compliqué, hein. Peu importe qui t'envoie à la gueule, t'es tout le temps un putain de Rambo. Et il est vraiment pas dur. Je pense par contre que New Dawn
est un tout petit peu plus difficile que Far Cry. C'est toujours des doses très ténues, hein. C'est jamais vraiment très dur. Mais je pense que New Dawn, juste avec les ennemis qui sont plus balèzes et qui peuvent être niveau 2-3, il y a moyen de faire des trucs un peu plus compliqués. Tu les faisais à la M60, les camps de Far Cry? Bah oui, mais là j'en ai pas. C'est pour ça que c'est plus dur. Tu comprends? Évidemment, je vais faire M60, pourquoi je me ferais chier à les faire difficilement quand on peut le faire facilement? Mais là, même si on a envie de les faire facilement, les ennemis sont plus balèzes, tu prends plus de dégâts. Tu vois ce que je veux dire? Allez. Objectif terminé. Tout va bien? Oui, merci. C'est quoi ces trucs? On n'est pas sûr. Peut-être un peu... C'est quoi ces trucs? On les appelle les dragons de sang. DS pour les intimes. Quand Sloan a bu leur sang, ça a surchargé ses cybercomposants. Il a bu leur sang? C'est une blague? Non, sergent. Si c'était une blague, elle ne serait pas drôle. Le sang a surchargé Sloan. Il est devenu encore plus puissant. Mais il a pas une gueule de porte-bonheur. Pourquoi vous aidez Sloan? Référence Predator, encore une fois. Sergent, un peu de calme, je vous en prie. On se servait des roquettes pour faire des tests sur les charges biochimiques du sang des dragons. Des roquettes? Genre plusieurs lances rouges? Combien? Je ne sais pas. Beaucoup. Je ne crois pas que Sloan s'intéresse encore aux tests, et je ne veux en aucun cas être mêlé à ce qu'il fait aux gens normaux. C'est pour ça qu'il a déserté? Sergent, Sloan n'a jamais été tout à fait clair. Maintenant, il a des roquettes et... Dieu sait ce qu'il compte en faire. C'est quoi cette seringue, Doc? Écoutez, c'est pour vous rapprocher de Sloan. Vous serez plus puissant, mais sans les effets secondaires. Non, Doc. Jamais. Chut. J'ai fait une promesse à une femme. Écoutez, écoutez. À une femme? La vôtre? Non. À la Statue de la Liberté. Elle m'a appris que les gagnants ne se droguent jamais. Très bien, écoutez. Sloan dirige trois installations. Oh, j'adore! Oh, putain! Oh, la tuerie! Straight edge! Oui, il y a si longtemps que Sloan ignore encore que je vous aime. D'ailleurs, dans les scénarios de New Dawn, il y a un bouquin Blood Dragon 2 Darling Revengeance. Ah ouais? Oui, je crois qu'on l'avait vu dans le stream la dernière fois. Ouais. Enfin, quelqu'un l'avait dit sur le chat, ouais. Yeah! Ok, bon, voilà. D'ailleurs, je sais pas si c'est vu, mais le nom là, de la quête qu'on venait de faire, c'était They're Here! Et c'est une référence à Alien. Liberating a garrison brings the principles of democracy to a location, making available two types of adventures: hostage rescue, predator path. A new hostage rescue is available. Ok. C'est le moment de faire plaisir aux fans. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Et du coup, est-ce que j'ai re des armes normales? Ah, voilà. Bah, j'ai retrouvé des armes normales, classiques. Mais regarde, celle-là, ce flingue-là. Voilà, il faut le recharger à la Terminator 2. Obligé. Là, d'accord. Je peux pas améliorer mon flingue pour l'instant, c'est pas grave. Ok, on va faire ça plus tard. Pour l'instant, faut accepter ça. En vrai, c'est cliché, certes, mais c'est un bon message, en vrai, je trouve. Oui, mais c'est pour ça que c'est marrant, c'est que c'est tellement un bon message que c'est débile, quoi. Enfin, c'est facile, c'est easy de dire, quoi, prenez pas de drogue, tu vois ce que je veux dire? Attachment makes your gun bigger and better. You want them, you need them, get them by completing Hostage Rescue and Predator's Path Adventures, gathering collectibles and hunting animals. Ok. The objective of Hostage Rescue is to save some scientist dude by killing all Omega Forces in the area, but be careful, if they spot you, they'll kill the scientist deader than disco. Deader than disco, plus mort que le disco, c'est vénère ça. Save a nerd. Save a nerd. Bah oui, complètement. Laisse-moi aller save un nerd. Est-ce que je peux... Par contre, j'ai pas de... mon arc là. Ah, ils m'ont pas filé mon arc, je peux pas avoir un arc. Parce que s'il faut s'infiltrer, j'avoue que là, je préférais le faire à l'arc. Stick around. Oh, j'espère qu'il fait une référence à Predator, d'ailleurs. Encore une autre, je veux dire. Où est-ce que je peux trouver un arc, là? Non, il n'y en a pas. Faut forcément y aller comme ça. Putain, mais j'ai pas de silencieux là-dessus, là. C'est un vrai gun, maintenant. Ouais, je trouve que les guns avec silencieux sont pas des vraies armes. C'est un peu comme le poisson, si tu veux. Pour moi, le poisson, c'est pas de la viande. C'est plus ou moins un légume, en fait. Ok.
Bon bah on va y aller à la main, tant pis hein. Est-ce que t'entends que quand il court, il y a des petits bruits de méca? C'est marrant. Ok. Je vais aller voir là-dedans s'il n'y a pas un arc parce que j'aimerais bien... J'avoue que ce serait plutôt putain d'utile. C'est quoi ça? Une télé. 10 millions de crédits pour me retaper, j'en suis réduit à ça. Ok. D'accord, Rex Power Code. Bah excuse-moi, excuse-moi. D'accord, pardon. La mort ou l'exil? La mort. D'accord. La mort. Par l'exil. Oh merde. Sinon, ils tueront les otages de façon définitive. Ok. Alors, il y en a combien? Va falloir y aller très 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 rapidement là. Le poisson sans arrêt, c'est pas un vrai poisson. Non, mais même la viande de poisson, je sais pas, c'est pas une vraie viande, c'est un peu comme un chat, c'est pas un vrai animal de compagnie, tu vois. Bon, un animal de compagnie, à mon avis, ça doit faire minimum 25 kilos déjà. Et un chat de 25 kilos, pour le coup, il sert à rien. Ok, attends, je vais lancer des dés. C'est à peu près là, je crois. Non ? Attends, je vais en lancer un autre. Regarde par là-bas plutôt. Les dés porte-bonheur ou dés du geek sont parfaits pour détourner l'attention. Dés du geek. Oula. Ouais non, c'est la merde là. Va falloir y aller très 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 vite. Je sais pas trop comment je vais faire parce que j'ai les guns qui sont extrêmement juste lents. Merde, j'en sais un cœur. Quel con. Ça va peut-être puer ça. Allez. Voilà. L'otage se fait attaquer. Ok. C'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. Il est où? Ok. Eh bah, tranquille, non? Je suis bon, non? Bah ouais, impeccable. Oh la vache. Oh la vache. Oui, mais j'ai pas pu faire autrement, Hoffman. Ils m'ont pas filé d'armes silencieuses, alors j'étais obligé d'y aller, bah, au gun. C'est bon? J'apprécie que vous sauviez vos supérieurs. T'as de la chance. Système de déplacement instantané de Kobayashi Corporation. Ouvrez la carte, sélectionnez une garnison libérée et appuyez sur les bonnes touches. Le déplacement rapide de Kobayashi Corporation, fiable à 85%, bah, je crois... avec seulement 10% de dégradation génétique. Je crois qu'il y a un truc avec ça, là. Ok. Nickel. Nickel. Ah, je suis obligé, d'accord, ok. Move your cursor. Ouais, ok, d'accord. Nanana. Ok. Ok, là. Voilà. Et je crois qu'ils disent... Conformément à l'acte des jeux de guerre... Les activités secondaires permettent de gagner des accessoires et des crédits valables dans un magasin de garnison. Plus mes armes seront grosses, plus je serai en sécurité. Si vous commencez à manquer de ressources ou de matériel de destruction, ouais, okay, comme les munitions, voilà, rendez-vous dans une garnison et faites le plein en magasin. Voilà. Faut que j'achète un suppresseur. Enfin. Hop, weapons, AJM je crois. Enter, et on peut acheter quelques trucs, voilà. Bip. On est bon. J'aimerais bien aussi acheter... Y'a quoi? Double barrel, oh la vache. Semi-auto. Really huge mag. Bendley. Quadruple barrel. Oh putain la vache. Ok. Cobra Con, y'a quoi là? Aim stabilizer, ouais. Fox scope. Oh c'est quoi? Ouf, oh la vache. Ok. Et ça, ouais d'accord. Je prends l'arc. Je vais le prendre avec nous. Est-ce qu'on a des... Non, on a pas d'attachment. Et ça, on a pas mal de trucs aussi. Ok, bon bref. Ça se fait. On va dépenser 8 balles juste pour l'inventaire. Et je croyais que c'était dans le jeu, en fait. Dans celui-là où il te disait que t'étais stérile une fois que tu prenais... où tu te téléportais. Mais en fait, non, ouais, c'est dans... c'est dans... Borderlands. ...dans le magasin le plus proche. Autant d'éléments qui feront de vous une machine de guerre comblée... Et efficace. Yes. Ok. Voilà. Donc on gagne pas mal de trucs, etc., etc. Bon, je pense que maintenant on est libre. Reach the dam. Ok. Donc normalement, là, on est libre. On peut faire ce qu'on veut. Du coup, je vous propose. Il est où le dam? Dam. 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 Hunting.
Ah, le damn, il... give a damn here. On va libérer cette garnison là et ensuite on ira au damn, d'accord? Allez, on fait ça. Donnez-moi une bagnole, donnez-moi mes mouillettes. Mais est-ce qu'on est vraiment libre au fond? Jamais, Yeda. On est tout le temps esclaves de nos propres besoins non nécessaires, non naturels. Jugés par l'école platonique. En moins 50. Je pense que c'est clair pour tout le monde, ça. Salut Marsouin, ça va poteau? Oula, ils m'ont vu. Oula, c'est la merde. J'ai loupé, je l'ai loupé. Il a mal, ok, c'est bon. O-A-O. Ils me font trop rire. O-A-O. Est-ce que je peux avoir la Gatling? Ça, ça va être bien, ça. Je sais pas ce qu'il a dit, mais il dira plus rien, là. C'est bon? Ah. Oh la vache, le bruit de la Gatling! Impeccable. Ah, c'est ça qu'il a dit! On est des bons, mon gars! On est des bons, mon gars! Ah! J'adore! Mais de temps en temps, il dit des trucs genre bordel de merde! Ça me déboîte! À chaque fois, ça me déboîte! On est des pros, mon gars! Ah! Ok, il y a des trucs à récupérer ici. Ce tapissage! Ah, bah oui, non, mais le gars. T'as vu en plus avec la Gatling laser, forcément, t'as du bon résultat derrière. Pfff. Yeah, VHS tape. Ah, level up. Je peux rien faire ça? Ah si. Méga bouclier désactivé. Méga bouclier désactivé. Ok. Et là du coup maintenant je peux balancer un cœur de Blood Dragon directement à l'intérieur. Ce que je vais m'empresser de faire. Tout de suite. Attends, juste dans la flotte. Et hop. Oh là là, c'était bordelique. Attends. Chut. Le silence est d'or. J'ai. Yes. C'est l'heure du goûter. Et c'est bon. Et on attend que le Blood Dragon fasse son délire. Je sais même pas. Ça le fait pop ou quoi? Je sais même pas si ça le fait pop en fait. Attends, on va en balancer 2-3. Ici, petit. Ça fait crouch, hein, mais il y a encore des méga boucliers, merde. Oh non, t'as vu en plus comment tu chopes directement le jargon. Oh non, j'ai oublié de désactiver les méga boucliers. Va falloir que je passe la première protection de proxy. Oh non, ils ont des bitmaps. C'était dans quoi, ça, déjà? Je crois que c'était dans... Chut. Ok, ils m'ont tout chopé. Ok. C'est vraiment de la merde, ce jeu. Je crois que c'est le pire Far Cry. Ils sont obligés de s'arrêter pour me tirer dessus, je crois. Pas du tout. Lui, il vient de me prouver que non. Hop, toi, ta gueule. Ouh, juste avant la... Oh. Juste avant l'alarme. Est-ce que je peux... Ok. Déjà, il n'y a plus cette alarme-là. Hop, ferme ta gueule. Oh, mais qu'est-ce que je suis bon. Mais c'est beaucoup trop facile. Comment je désactive tout, là? Désactive-moi dessous, là-dedans. Maudit, j'ai maudit. Je vous referai du coup du Far Cry New Dawn, pas tout de suite, mais enfin pas ce soir je veux dire, mais certainement demain ou demain, et parce que j'ai vraiment envie de revoir Roger. Je vous rappelle, Roger, c'est le mec qu'on avait croisé dans New Dawn, celui qui a un gros accent québécois, et j'ai pensé à lui pendant toute la semaine, donc j'ai vraiment envie de le revoir, quoi, si ça vous dérange pas. Putain, il est où? Il y a encore un connard là. Ah, il est là. Tu vois, il a dit putain de bordel, je crois, non? T'es les loups. Pas de soucis, ok, impec. Ça me plaît. Alors, si c'est pas de soucis à Nick Nick, c'est des soucis pour personne. Aïe, aïe. Il est où? Il m'a fait un doigt. Alors, je lui en ai rendu 5. Brucienne qui pense à son petit québécois toute la semaine, trop mignon. Mais oui, attends, il me manquait son accent, il me manquait, ça me fait capoter le. T'es fou ou quoi? Ah, il me faut ma dose de Québec, sinon je fais comment derrière moi? Vous êtes gentil, vous. C'est facile pour vous, hein. Donc ça, c'est le store, mais y'a que dalle ici en fait. Ah, c'est bidon, c'est de la merde.
C'est juste histoire d'eux, quoi. Ok. Je vois. Mais écoute, on va aller au store vite fait, parce que normalement, je dois avoir assez de thunes pour avoir chopé les trucs. Et ça, c'est quoi? Hunter's Path, je crois. Hunter's Path. On va aller au barrage avant, quand même. Je crois que j'ai rien débloqué, en fait. Hein. Ouais, voilà. Tout est bloqué, ok. On verra plus tard si on a débloqué les trucs, de toute façon. Donc, on va aller au barrage, juste là. Yes. Give a damn here. Par contre, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules différents. Il me semble qu'il n'y a que des jeeps ou des camions. Et je suis même pas sûr pour les camions. Il me semble pas qu'il y ait de moto laser ninja ou trucs comme ça, tu vois. C'est un peu décevant, mais écoute, pas tout à voir. Hein. Il n'y a même pas de klaxon. Oh, de la merde. C'est quoi ça? Étrange. J'adore. Faudrait qu'on aille vite à la cinquième mission du truc de New Dawn, les extractions pour que tu cries et que ce soit cool. Pourquoi je crie? Mais je crie déjà, hein, donc... Pourquoi des ninjas? Bah je sais pas, c'est cool les motos ninjas, non? Comme Robocop, comme Action Man. Ah, je me suis pété la gueule. Ah, bah non. Ok, il a changé d'avis quand il était en train de se péter la gueule. Si un cybercommando a pas envie de se péter la gueule, il se pètera pas la gueule. Salut les gars! Hop, ta gueule. Legolas, mon gars. Appelle-moi Legolas. Ça va, les gars? Tranquillou, bilou? J'avais oublié qu'il y avait ça. Les motos ninja, les... Oh! Il y avait une cyber dinde. Non, je parlais de la moto ninja de Action Man, moi. Trop stylé. Je crois pas qu'il y ait de moto, en tout cas. Ah, il y a peut-être des quads, par contre. Je suis au barrage. Putain, c'est grand. Chaque installation a ses propres. Ok, là-bas. Allez, en piqué. Est-ce que tu penses qu'on peut mourir? Je vous envoie les coordonnées. Non. C'est génial. Pour fissurer le barrage, vider le réservoir compromettra le système de refroidissement du réacteur. Ok. Récupérez le C4000. Le C4000. Ok, j'avais oublié ça. C'est pas du C4, mec. C'est du C4000. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec le Québec? J'ai l'impression qu'ils ont vraiment envie de faire péter le Québec. Je me vois jouer enfant. Aïe. De la deuxième guerre du Vietnam. La deuxième guerre du Vietnam. Et d'ailleurs, dans Trials of the Blood Dragon, tu joues au début à la troisième guerre du Vietnam. J'adore, c'est tellement bidon, c'est tellement génial quoi. Je vais pas voir l'autre là. Même la tenue ninja de Fallout 3 a été géniale. Je sais pas, j'ai joué qu'à des bons Fallout, moi, je peux pas. Merde, c'est pas lui que je voulais niquer. Ok. Bah oh. Il est caché ou quoi? J'arrive pas à voir. Je crois qu'il était planqué, en fait, je crois qu'il est derrière un truc. Lui par contre, vite, il faut que je défonce. Ah merde. Ah là, ça va peut-être être problématique. Il est où? Ah, il a sonné l'alarme. Ah, lui. Ok. J'irai me coucher quand tout le monde sera mort. Pareil, Rex, je suis content qu'on soit du même avis. Merde. Attends, on se l'étend là. Ah, waouh. Ferme ta gueule. Hop. Putain, d'abord le sniper. Voilà. Normalement, je suis tranquille. Le reste, on peut s'en occuper tranquillou bilou. Voilà. C'est une technique de gros schlag, hein, on est d'accord? Mais y'a que les gros schlags qui survivent. Hein. Voilà, on va y aller. Envoyez un médecin, que je puisse le buter aussi. Quel connard. J'adore, je veux être un super commando. C'est problématique d'être un super commando. Je viens de buter deux mecs sans faire exprès. Je viens littéralement de buter deux mecs sans le vouloir. C'est génial. J'adore ce jeu. C'est mon jeu préféré du monde. Et plus tard, je deviendrai un super commando. Il y a des chiens par contre, il y a des robots chiens. Oh non, pas les robots chiens, s'il vous plaît. Hein. Déconnez pas. Hein. J'ai déjà les chiens, c'est cool, mais les robots chiens, c'est encore plus cool. Ils sont où? Voilà. Ils sont où les robodogs? Robodog? Ramadog? Eh ben, y'en a pas.
Est-ce qu'on m'aurait menti? Ça me donne juste envie de mater Robocop en boucle, en fait. Ça fait pas vraiment autre chose. Ça me donne juste envie de passer ma soirée à mater Robocop, Terminator, Predator, re-Robocop derrière. Ok. Tu vas te fendre la gueule. Oh, un robot dog. Ouais, mais lui, il avait cherché, alors c'est pas pareil. Ah, Robodog. Non, c'est bon. Salut Scolar, bonne humaine. Merci d'être passé, hein. Oula, on peut le voir de près. Coucou. Ouh, l'adorable. Allez, ferme ta gueule. Oh là. Allez, ferme ta gueule. Vas-y, ferme ta bouche. Je peux récupérer son cœur ou quoi? Son cœur. Son amour? Non, je peux pas. Son amour. Son cœur. Et Commando pour faire passer tout ça. Ouais, grave. Il était tellement bien, Commando, aussi. Occupez-vous de l'autre faille structurelle. C'est dans Commando, à un moment, il y a une scène où donc Schwarzenegger joue forcément un bon américain, tu vois, toute sa famille est américain, et quand il prononce le nom de son pays, il dit « America !» comme ça, donc tu sais que le gars, il est du coin, quoi. Et je sais plus, il se crache en bagnole, et il y a plein d'ennemis qui se foutent autour de lui, mais à un mètre de lui, hein, et qui commencent à le pointer pour le menacer, tu vois, genre « Ne bouge pas, machin !» Et lui, au lieu de le lever ses bras... pour dire genre je me rends et lui leur péter la gueule après, ils commencent déjà à leur péter la bouche pendant qu'ils sont encore en train de le pointer. Enfin genre, ils sont tous autour de lui, hein. Ils sont 5 ou 6 autour de lui avec des armes automatiques et ils commencent à leur mettre des coups de poing dans la gueule. Et ça me tue, mec. Ça m'avait oblitéré, quoi. Il s'en bat les couilles. Ça lui pose aucun... Waouh. Ça lui pose aucun problème. Ok. Yes, on est bon. J'ai encore des nano steam pack de mon cul là. Hop, toi ta gueule. J'ai dit toi ta... Oh, oh, oh. Et je vais le piller quand même. Voilà. Oh. Il voulait la place du mort. Quel vieux jeu de mots de merde en plus. C'est même pas des jeux de mots, c'est même pas des vannes. C'est juste... Il dit juste de la merde en fait. Il dit juste de la merde. Bon, je pense qu'on va pas en faire beaucoup ce soir du Blood Dragon. Hein. On va faire un tout petit peu encore plus. Une petite demi-heure ou un truc comme ça. Et ensuite, on ira sur un truc qui commence par Lay et qui finit par Sims 4. D'accord? Ça vous dit ou quoi? Les Sims 4 après. Je veux que les 50 personnes répondent oui. S'il vous plaît. Ou alors non, après si ça vous dit. Hein, mais... Oh! Mais le con, il s'est fait cramer tout seul. Il a paniqué, il s'est cramé tout seul. Il s'est pété la bouteille sur la tête. Oui, 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 nine, bou, noin, non, oui, yay, nay. Ok, impeccable. Ok, j'ai eu au moins des réponses, moi ça me plaît. J'aime bien vous parler. J'aime quand on est ensemble. J'aime quand on est ensemble, chat. Toi aussi, t'aimes quand on est ensemble, chat? Tu m'aimes bien, chat? Yes! Il y a même Biscord, il a fait un... Comment on dit? Il a fait un M-Bison, c'est... Yes! C'était un cyber-suicidaire. J'ai créé une race de nouveaux super-soldats. Les cyber-dépressifs. T'aimes te caresser le chat? Bah, bien sûr. Le chat. Ah, ça fait un bruit de prout. Doc, il y a un lézard avec les explosifs. Est-ce que t'as entendu que ça fait quand même littéralement un bruit de prout quand les trucs ont pété? Hop, ta gueule. Hop, ta gueule. Et hop, ta gueule, voilà, impeccable. Ok, go. Les Cyber Millennials. Les Doomers. Attends, vous avez entendu parler des Doomers? Parce qu'il y a les Zoomers, les Boomers, il y a les Doomers aussi. Je les aime bien, les Doomers. C'est les gars qui passent leur nuit à boire de la Stella, de la Stella Artois, en regardant juste des vidéos YouTube. Et ils sont dépressifs. Et ils ont un gilet à capuche. Ah merde. On m'a dit de le faire gicler. Bah, je l'ai fait. Les Doomers, ils sont en haut. Ah ouais, de loin ouais. Moi je peux rien dire, je suis très clairement un boomer, donc il me manque juste le tracteur tondeuse personnellement. Oh, eh nice. Est-ce que j'ai... Non, j'ai toujours rien débloqué. Je vais juste... Attends. Je vais juste, voilà. Tous molotox.
Terror 4000, C400 plus Remote Mine. Terror 4000, c'est quoi Terror 4000? Alors YouTube, ok, la dépression, ok, mais la Stella Artois. Faut pas oublier les clopes aussi, bien sûr, ouais, les clopes roulées. Bien entendu. Je pense que, tu vois, si y a un doomer que je connais, c'est peut-être Momo, tu vois. Je pense que Momo, c'est un doomer qui s'ignore. Après, il est pas dépressif, Momo, donc... T'as la même coupe de cheveux que les doomers, une calvitie niveau 4. Ouais, ouais. Il faut la calvitie pour être un doomer, ouais. Ah, c'est ça, le Terror 4000. Utilisé contre des enfoirés de communistes. Merde, il y avait une autre blague, mais j'ai pas entendu. Qu'est-ce que je vais changer contre le Terror 4000? Je pense que je vais prendre l'arc. Yes! J'espère que je peux le garder sur moi tout le temps. T'étais un doomer refoulé, ouais, ça arrive. Lancer un cybercœur sur les ennemis pour que les dragons proches les attaquent. Cybercœur, yes! Voilà, il y a un Blood Dragon qui est là-bas, il va venir. Et ça va être bien. Il est où? Il est pas là? S'il te plaît! Ah, je pense qu'il arrive, je crois qu'il arrive. Au moins, je suis pas pédé. Ouais, c'est vrai. Ah, voilà, il s'occupe du j'allais dire du cyberdragon, ça y est, je suis devenu futuriste. Ok, go. Allez, on regarde. Est-ce qu'il vient vers moi? Ah mais le Terror 4000 en plus je le garde avec moi vraiment. Ah c'est pas une vanne. Putain trop stylé. Ouh le con. Qu'est-ce que Blood Dragon. C'est bon. Ok. Faut le niquer le Blood Dragon parce que sinon il va nous poser trop de problèmes. Je devrais avoir assez de munitions. Bordel de merde. Wow. Allez, crève et bim. Yes. Ça c'est fait. Allez, sors-toi. Hop, puis d'épaule. Ah. Oh, impeccable. Ça fait combien de temps que Ruru a lancé Blood Dragon? Environ, ça fait exactement 1h et 8 minutes et 19 secondes. Viens voir papa. C'est un peu chelou et très dégueulasse. Voilà, impeccable. Avec ça, il va y avoir de la belle infiltration. L'infiltration dans ta gueule. Et parce qu'en plus, on peut vraiment en acheter des munitions de Terror 4000, là, donc... Ouais, c'est pété un peu, non? Je me souviens même plus qu'il y avait cette arme, en fait. Ah, mais je crois que le délire, c'est que tu peux l'avoir avec toi, le Terror 4000, mais tu peux acheter des munitions uniquement dans les magasins, tu peux pas en trouver. Il me semble que c'est ça, le truc. Attends, bah écoute, je vais en chercher maintenant, regarde. Hop, on va se foutre là-bas, parce que j'ai l'impression que ça va être une arme que je vais beaucoup aimer. Regarde. Regarde, Terror 4000, mon gars. Who needs accuracy or run and gun when this minigun bad boy throws thousands of bullets at the target, their location and their closest relatives? Et y a pas d'attachments par contre là-dessus. Y a juste beaucoup de munitions à acheter qui coûtent très très cher. Mais ça nie complètement la méta, quoi. Ok, go. Je pense que je vais tout le temps garder une Gatling sur moi. Et dans Far Cry aussi. Y a rien ici. Ok. Je crois que cette chanson s'appelle Blood Dragon reprise dans l'album. D'ailleurs, si jamais vous voulez l'album de Far Cry Blood Dragon, vous pouvez aller l'échanger. Non, même l'acheter gratuitement. Vous pouvez aller la choper gratuitement sur Uplay si vous avez Blood Dragon de base. Et je sais pas si on peut la choper autrement, mais si vous avez Blood Dragon de base, vous pouvez aller la choper gratuitement sur Uplay. Tu sais, tu peux acheter des trucs avec les points, comment on appelle ça? Les trophées, là, tu sais. Et ça en fait partie. Mais sauf que c'est gratuit. Ils sont pas bons en affaires, les mecs. Hein. L'achat gratuit, j'aime bien. Ouais, bah, c'est pour ça que ta sœur, elle a beaucoup de travail. Connard, bah. Bim!
Est-ce qu'il peut se tourner vers moi, s'il te plaît? Aïe, aïe, aïe. Je l'ai eu ou pas? Je l'ai pas eu. Merde. Aïe, aïe, aïe. Attends, attends. Hé, hé. Je l'ai eu? Je l'ai pas eu. C'était la merde. Là. C'est comme ça qu'on se tue. Oh putain. Regarde le nombre de balles qui me reste pile, mec. Est-ce que t'as vu? Est-ce que t'as vu qu'il me reste pile? Regarde. Mais d'où ça arrive, ça? D'où ça arrive à autre chose, à autre personne qu'à moi, quoi? J'ai joué trop à Doom, j'ai l'impression. Beaucoup, beaucoup trop. Trop métal, poteau. Ça, c'est... Ouais, mais l'autre, il a attendu la mort, quoi. C'est trop rock'n'roll, poteau. Moi, j'aime bien le rock. Terror Max 4000 dans ta gueule. Les câbles. Et lui, il est mort. Yes. Il t'a regardé faire tomber ton canon, genre, oh, c'est beau. Parce que devant, tu sais, j'ai un truc en spirale pour les hypnotiser. Salut. Yes. C'est ça, le rock. Tu vas summon le Doom Guy dans Blood Dragon, hein, putain. Les gars, je leur laisse que très peu de chance. Hein. Ok, go, go, go. C'est dommage, je pensais que j'avais tué, ça aurait été super classe, mais non, je l'ai pas tué, c'est pas grave. Je suis quand même un cyber-commando, mais juste un peu moins classe, c'est tout. Mec, c'est ultra intelligent, tu mets un truc qui hypnotise devant ton arme à courte portée. Tu mets un pendule qui tourne super vite. Y'a rien d'autre ici, là? Non, y'a rien d'autre. C'est quoi ça? Yes. Y'avait de l'émotion, pour moi c'est un grand oui cette action. Merci MTE, mec. Tu sais que ça me fait plaisir ce que tu dis. J'avais l'impression de faire ça, tu vois, juste pour moi, juste pour personne, mais... Finalement, je sais que toi, t'es là, tu vois. Et tu me comprends. MTE. Ton nom, c'est Mange ton étron, mais franchement, c'est pas grave. J'ai envie de lâcher, je pense, la caisse la plus énorme depuis Hiroshima. Alors, je vais essayer de la faire en soufflette. C'est bon, je pense que c'est bon, elle est passée. Maintenant, faut essayer les retombées radioactives, mais c'est pas grave. MTE, il est jury de The Box. Je te veux dans mon équipe. C'est moi, Mika. Ah. Ah, bah dommage. Bonsoir. Objectif terminé. Vous êtes le sergent Rex Colt? D'après le Dr. Darling, vous êtes une sorte de héros. Je suis pas un héros. Je suis un simple cyber-commando type 4 de l'armée américaine. D'accord. Vous allez devoir m'escorter. Je suis un simple cyber-commando de type 4 de l'armée américaine. J'adore. Oh putain. Objectif. Yes. Protéger l'ingénieur. Oh putain non. Ah, ça m'a tout de suite fait chier, Ilon. Allez, on va refoutre un petit coup d'inventaire. Voilà. Est-ce que je peux commander autre chose? Est-ce que j'ai des... Non, maintenant ça non. J'ai aucun ajout là. Non, non, non. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire les quêtes juste pour choper des ajouts. Sinon, je pense que le jeu est très faisable sans les ajouts, hein. Sans les attachments, mais ouais, c'est quand même beaucoup plus pratique, quoi. Je reste ici en vous attendant. Ah, bah parfait. Ok. Bon, on va y aller au fil de chasse, hein. Ha, 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 ha. Boum, ta gueule. Oh. Il tire très lentement, hein. Il tire vraiment très lentement. Grenade. Hop, ta gueule. Florent Pagny. We are the knights who save me. Ok. Ils sont où? En haut. Je sais pas si je l'ai... Ah si. Hop, ta gueule. Wow. Chut, chut, chut. Il a pas armé ce con. Aïe aïe aïe, ça pique. Arrête. Ouais, mais c'est. Ah putain, des molotov. Oh là, c'est la merde. T'inquiète pas. Regarde. Hop. Petite grenade dans ta gueule. Petite grenade de fin de discussion. Hop. Et tout fait péter sauf lui. Ok, il a pété, c'est bon. C'est bon, j'ai.
J'imagine bien Cole faire le bruitage quand il utilise sa vision là. Les futurs. Pourquoi c'est un rebeu par contre? C'est le futur. J'ai les futurs dans les yeux. The Engineer. Non mais il va pas crever de toute façon. Gad El Loltruche, mon nom de scène. Oh c'est dur ça. Et tu viens? Picabou. T'as beaucoup de bol dans ta vie toi. Picabou. Quand ça me casse les couilles. Oh. Bah alors. Mon père était charron hein. Attends. Toi je vais te foutre une grenade dans ta gueule toi. Merde. T'as entendu? T'as entendu le petit? Merde. Vous ne protégez plus les hommes qui sont sous votre commandement, Sloane. Les plus forts peuvent se protéger. J'ai appris durant la guerre. Vous n'avez pas assez de couilles pour gagner. On a transformé le Canada en... C'est clair, c'est complètement le même type de personnage que Jacob. Dans Far Cry 5. Donc Jacob, c'est Sloane. Je pense que c'est plus ou moins confirmé dans le lore. Je reste ici en vous attendant. Ouais, c'est ça, ouais. Attention, nettoyage des biotoxines mutagènes au niveau moins 3. Nettoyage au niveau moins 3. Les câbles. Toi, petite grenade pour ta gueule aussi. Un peu loin. Un peu mort, yes. Glissade. Hop, tirade. Impeccable. Son bras robotique Cyber Jamel. Pekeb est juste en dessous. Il est où? Il est où? Mon gars, il y a... Bordel de merde. J'adore comment il parle. Là, il y a no way out, quoi. Ils doivent être en train de paniquer, tous. Bon, pas moi. Heureusement que je reste calme. Heureusement que j'ai de la composition, parce que... Qui c'est qui me tire dessus, là? Ta gueule. Hop, cadeau. J'espère qu'il y a des munitions sur lui. Aïe, aïe. Ok, tu prends les munitions un peu tard, poto. Ok. Rex Power Colt égale Jamel de Bouze. Ça me ferait mal. C'est bon. Il m'a fait extrêmement peur. Je sais pas si vous avez vu, mais ma mon curseur a fait pip comme ça là. C'est parce que j'ai flippé en fait. Bionic belle poutre. Oh. Il est où? C'est où? Feu. Tableau blanc. Bionic. Belle poutre. Voilà. Je le note parce que je suis... Enfin, c'est génial. C'est magnifique. Attends, imagine Monique en cyborg et elle s'appelle Bionic Belle Poutre. Mais mec, mais il y a tout quoi. Mais il y a tout ce qu'il faut. Putain. Je suis fan de ton plan, mec. J'achète. Pour combien tu me vends ton idée, Loltruche? Je peux foutre le prix. Hein. En venir, Sloane. Eh bien, il y a peut-être plus de moi en toi que ce qu'il reste de ta personne. Ça voudrait dire qu'on pourrait avoir le film Cyber Cyprien, bien sûr. Et Jason Commando. Ça a marché. C'est le pont qui mène au noyau explosé. Je sais pas ce que je fais là, mais j'attends. Allez, bouge pas, je vais racheter des munitions, parce que ça part très très vite, hein. Surtout les munitions de Galeria. Lâchez les cyber-requins. Les cyber-requins. Ah, c'est génial. Les cyber-requins, mon gars. Et extinction des feux pour Sloane. Vous l'avez... il va crever, non? Extinction, à jamais. Ok, on y est presque, sergent. Ça fait mal quand j'approche, ça pique. Ok, ils m'ont refoutu un Terror Max, donc on est tranquille. Ils sont où les biorequins? Enfin, les cyber biorequins laser. Les cybertuches, oh là là. Vous devez forcer l'ouverture du bouclier avec la commande d'urgence subaquatique. N'oubliez pas. La commande d'urgence subaquatique. Ah bah aquatique, mais c'est complètement con. Ils sont où les requins? Pour être beau, si beau et drôle. De quoi? Ok, ça c'est bon. Chut, j'ai peur des requins. Oh, les requins ils sont là. C'est des requins laser. Ils avaient pas tort, c'était vraiment littéralement des requins laser. Vite, ok, c'est bon.
Ok, c'est bon. Et flirter. Et flirter. Ouais, ok. Il ne me reste plus qu'à pirater le système et exposer le noyau du réacteur. Attention, parking interdit dans la zone marron. De quoi? J'ouvre les boucliers du réacteur. Ne laissez pas me tuer, ok? Ok. Ça vient où? Ça vient là? Ah, eux, d'accord. Ok, ça c'est bon. Bip, bip. Y'en a d'autres là-bas? Y'avait lui. Voilà. Putain, mais il est résistant lui. T'as entendu ça, mon gars? Quand tu restes appuyé longtemps sur le Terror Max 4000, il commence à gueuler comme dans MGS3. C'est génial! Alors, je sais pas si c'est une référence à MGS3 ou juste une référence à Rambo, tu vois. Ou à... Non, à Predator. Quand le Renoir, il gueule en tirant dans la jungle avec sa Gatling, là. Mais en tout cas, c'est une référence. Et ça, je sais. J'aurais dit Rambo. Certainement Rambo, hein. Mais la Gatling me fait plus penser à Predator, c'est pour ça. Ce petit doigt est allé à la morgue. Oh, la traduction d'une blague anglaise. Est-ce que je peux lancer une petite grenade? Yes. Impeccable. Il est pas très très puissant le Terror Max 4000, mais il est assez puissant. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas la puissance qui pose problème, c'est le nombre de munitions. Et avec le Terror Max 4000, on n'est jamais en manque de munitions. Il est où? Oh ta gueule, sale enculé. Ok, j'ai plus de munitions. Alors là, pour le coup, c'est un peu la merde, mais c'est pas grave, on bourrine, voilà. Y'a de la coop sur ce jeu avec une escouade de 4 mecs, tu canardes en gueulant. Et non, pourquoi? Parce que Ubisoft déteste l'argent. C'est pour ça qu'ils feront pas de Blood Dragon 2. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de coop dans le premier. Je puisse le buter aussi. Vous devez frapper le réacteur. Objectif. Frapper le réacteur. Attends. C'est comme ça qu'on fait. C'est aussi pour ça qu'on s'aime. Pour nos différences et nos dilemmes. Attends, j'aimerais. Voilà. Si tu peux me laisser ça, voilà, merci. Je vais tout fouiller, comme ça on sera tranquillou bilou. Ça me fait de la thune en plus. Bah, vas-y, on y va, allez, c'est bon, on y va. On n'a pas de temps à perdre avec ces conneries. On doit foutre un pain à un réacteur nucléaire. Voilà. Benji, non. Doc, ah. Je suis sorti. Mais pas Benji. Désolé, Rex. C'était un type. C'était un type bien. Doc, c'était un vrai héros américain. Ah, j'adore. Mec, c'est super. Non, c'était un vrai héros américain. J'adore. Ah. Le jeu, il fait ce qu'il veut. Ils en ont rien à foutre. Je suis quasiment imbattable à The Bishop of Battle. Doc, tu joues aux jeux vidéo? Oh oui, Rex. Les jeux vidéo sont un bon moyen de s'occuper, comme n'importe quel autre passe-temps. Chut. Il a été prouvé qu'il favorisait la coordination œil-main, la résolution des problèmes, l'interaction sociale et la confiance en soi. Et aucune étude n'a pu établir le lien entre jeux vidéo et violence. Honnêtement, tous ceux qui sont contre les jeux vidéo sont des enfoirés. Hey, wow, Doc. Non, Rex. Enfoiré signifie un être néfaste pour notre foi en les relations sociales. C'est un acronyme, même si j'imagine qu'on n'est plus dans un jeu vidéo, pas vrai? Ah, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Ils font ce qu'ils veulent avec ce putain de jeu. Ouais, non, le quatrième mur, il l'encule, ça c'est clair, hein, mais... C'est quoi cette critique à la Rockstar? Ouais, Rockstar, c'est les avocats, mais... J'adore. C'est génial. C'est que de l'amour. Je vois ce que voulait dire Patrick Sébastien quand il disait c'est que de l'amour. Parce que là je suis d'accord. Relatable. Allez, on va faire ça vite fait là-bas. On va libérer juste l'autre garnison.
Et ensuite je passe aux Sims, d'accord? Ça vous dit? Ça vous va? Ça fera ouais une heure et demie à peu près de Blood Dragon. Ça sera déjà mieux que rien, mais je pense que je le finirai. Ce que je ferai, à mon avis, c'est que hors stream, je libérerai tous les camps et on fera le reste du scénario en stream. Ça vous dit? Ok, alors il y a un Blood Dragon juste devant, ça me plaît qu'à moitié, donc... Pardon, au revoir. Là-bas. Ça me va, d'accord. Bah écoutez, quitte à faire, je vais carrément faire cette mission maintenant. Comme ça, Ouh là là, je libérerai... Oh, les camps. Pff, oh, la vache. Salut. Je crois pas, non. Les élever. Dites-moi, Doc, comment vous êtes retrouvé avec ce taré? Les États-Unis ont enrayé l'invasion soviétique en atomisant le Canada. Nous n'avions plus rien. Sloan nous a offert un toit et un but. On ignorait qu'il était de nous. Ouais. Ok, Doc. Et c'est l'heure de la sieste, la nurserie. Ok, la nurserie. Let's go. Mais en fait, je crois qu'il y a même pas beaucoup de missions dans le jeu. Je sais même pas combien il y en a, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Le jeu est très 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 court. On a fini la campagne de Thibaut dans les Sims. Eh ben non! Mec, quand on aura fini la campagne de Thibaut, ce sera quand on aura fini par niquer. J'allais dire Simone. Oh, Monique! Eh oui! Eh oui! Hayo! Eh ouais, mon gars. Impeccable. Ah, mais oui! J'arrêterai. Non, pas bionique, mais elle est pas bio. C'est pas une cyber Monique dans les Sims 4. C'est une vraie Monique. The true Monique. Monique doit mourir. Non, oh. J'y suis, Doc. Déjà, elle peut pas. Pour une nurserie, je trouve que l'endroit est vachement scientifique. Ce n'est pas qu'une simple nurserie. C'est à cet endroit que Sloan construit les cages cérébrales pour contrôler les dragons. Ils ok. N'attaqueront pas ces cyber-soldats. Hop. Oh la vache, ça coûte tellement cher les munitions de terreur 4000. Les cages cérébrales. Je le permettrai pas. Détruisez les salles de stimulation expérimentale. Si vous voyez des dragons avec des cages cérébrales, grillez l'unité de pacification à l'arrière de leur crâne. Ils retrouveront leur agressivité normale et attaqueront les cyber-soldats. Sans ça, ils ne réagiront ni au cyber-cœur, ni au feu. Détruisez les prototypes de cages cérébrales. Oh la vache, qu'est-ce que ça parle? Ferme ta gueule. Voilà, merci. Ok. Ah, il faut les péter les trucs. Ouh, il va faire chier lui. J'adore la bande son là, on dirait A Hobo with a Shotgun. J'adore A Hobo with a Shotgun. Ça doit être un de mes films préférés d'ailleurs, il doit être dans mon top 10. Et t'en as déjà fait 3, bah oui c'est ça, je vous dis, en fait il est très très rapide Blood Dragon. Mais ça demande pas mal de farming en fait à côté, mais bon. Je sais même pas si on peut le finir sans aucune amélioration. La place du mort. Je l'ai jamais vu, sérieux? Mec, il est tellement bien quoi. Il est extrêmement violent, extrêmement cool, mais très très bien dosé. Ok, impeccable. Je le materai à l'occasion. Ah ouais, t'as intérêt. Ça devrait être... Je devrais en fait faire une liste des devoirs en fait, les devoirs LMF, de mater certaines chansons, mater certains films ou écouter certaines chansons, tu vois ce que je veux dire? C'est bon de sale enculé de vorace. Bande de communistes. Merde. Ah, c'est la merde là. C'est la merde. C'est la de merde. C'est la magie merde. Magie merde parti. On va sortir la grosse Gatling. Nique ta race. Ah, pourriture communiste. Impeccable. Je suis concentré là. Faut que je vide cette saloperie là. Je parle pas de ma bite. Ha! Ils font des blagues sur les bites à la Megaforge, ils sont vraiment ouf. Genre tous les albums de la Compagnie Créole. Par exemple, ouais. Ou de Amadou et Mariam. J'aime bien Amadou et Mariam. Il est parti. Où? Ah bah il est là. C'est la cyber merguez. C'est la cyber merguez. La cyber merguez partie. Ok. Ouais, je vais faire cette mission là et puis je couperai après là. Putain, mais regarde ça quoi. Regarde cette salle.
est-ce qu'elle est pas parfaite? Même le level design, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, si tu veux, ces cyber trucs. ils font des cyber ce qu'ils veulent, tu vois. Mais c'est, je pense que c'est pour ça aussi que ce truc-là plaît beaucoup. C'est qu'ils sont vraiment partis dans leur délire et ils se sont pas arrêtés avant de finir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont allés jusqu'au... Oh, mais au bout, merde! Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Aïe, 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 aïe. Dans ta gueule. Dans ta gueule. Ok, il est mort. Est-ce que j'ai... Yes. Non, non. Non. Ouais. Là, je joue comme je joue à Blood. Ça y est, quoi. Je joue à un FPS et... Oula. Mets-toi à l'aise, sors ton cyberlit. Ah, c'est sûr que les mecs, ils se sont pas dit « Ouais, mais Roger, tu vas un peu loin. » Mais Roger, tu penses que toute cette diatribe anti-communiste, est-ce que ce sera pas mal pris, finalement? Les câbles, le boss est pas mort. Le boss est mort. Ta gueule. J'ai dit ta gueule. On va y aller un peu, la mitrailleuse. On n'a pas fait assez. Je crois qu'en plus, il faut acheter une compétence. Enfin, il faut rajouter un truc pour pouvoir avoir du full auto dessus. Sinon, elle est que en burst. Les gens, ils savent que le burst, c'est casse-couille. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment utiliser du burst fire quand il y a la possibilité d'avoir de l'automatique? Personnellement, je pense que non. Et je pense que le burst fire a été inventé uniquement par Satan. Pour Satan. Oui, non, Momo, c'est faux. Non, Poléon, c'est faux aussi. Les deux, non, MTE. Le burst fire, ça peut être utile dans certains cas, dit Hoffman. Non, Hoffman. Ça dépend. Non, Wapfal. C'est faux. Il y a que le full auto ou le rien du tout. Soit tu restes appuyé sur la détente jusqu'à ce que ça fasse clic clic, soit tu appuies même pas sur la détente, c'est tout. Dernier prototype de cage cérébrale. Sur Insurgency, j'aime bien. Honnêtement, sur Insurgency, c'est soit full auto, soit coup par coup. Enfin, semi-auto. Objectif terminé. Voilà. Alerte intrusion. À tout le personnel, empêchez l'intrus d'atteindre la porte du silo protégeant la nurserie vulnérable. Ah, ok. Je préfère gérer mon burst en auto perso. Voilà, exactement. C'est ce que je pense aussi. Sautez. Ok. Pourquoi est-ce que cette saloperie est si lente? Est-ce que je peux faire une petite save avant? Oh, tant pis, j'ai pas besoin. Ah yo! Oh, super héros landing. Ah oui. C'est vrai qu'il y a des lance-flammes. J'avais oublié. En plus, je crois que c'est des lance-flammes. Ah non, c'est des lance-flammes normaux. Voilà. Allez, let's go. Faut tout cramer. Wingsuit. Oh non, des petits chiens. Vous avancez pas, les petits chiens, où je tire. Bip. Voilà. Écoute, j'aurais pas trop laissé le choix, mais. Les lance-flammes neuros doivent être utilisés uniquement en cas d'urgence par le personnel autorisé. Si vous doutez qu'il s'agisse d'une urgence, ce n'en est probablement pas une. Bonne journée. Peccable. Peccable. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y en a encore là. Bip. Voilà. Et la saucisse éclate. What? Mais pourquoi? Et la saucisse éclate. On aurait dit du comment ça s'appelle Redneck Rampage, quoi. Et la saucisse éclate. Ok, donc j'ai un lance-flamme et une Gatling. Je pense qu'on est plutôt tranquille niveau arme. Ah oui, c'est vrai qu'il attend, il est blindé de la gueule, lui. Je crois que je peux lui tirer dans le ventre. Ouais, je crois que eux, c'est mieux leur tirer dans le ventre, en fait. Ah, il saigne un peu quand je tire. Et quand ça saigne, c'est que ça peut être tué. Référence. Ah, moi aussi, je fais des références, j'ai pas ton vieux. Cimer, sergent Gilbert Colt. Il libère. À 1005. Est-ce que tu peux crever ta grosse race, par contre, s'il te plaît, je t'en supplie. Voilà. C'est comme ça qu'on se tue au travail, Pléro. Oh là 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 là. Putain. Tu sais que de loin, les ennemis un peu jaunis, on dirait Kraftpunk. This is me, Kraftpunk. There's a hidden camera there. Voilà. D'ailleurs, je pense que... Les
Ça, c'est une référence du coup au moment où on crame les champs de weed. Attention, dans Far Cry 3 classique. Aïe 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 aïe. Il me voit pas, c'est bon, on est tranquille. Oui, c'est une référence à Alien. Hein. Non, mais si, bien sûr. L'autre, c'est une référence à Alien, mais c'est un throwback, je pense, à Far Cry 3 quand tu brûles les champs de weed. À mon avis. À mon humble avis, même. À mon avis de merde, d'ailleurs. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Je voulais faire ça. Choper des molotox. On dirait vraiment les molotov Leader Price, quoi. Est-ce que je peux... Je suis vraiment fabuleux. Ferme ta gueule, Rex. Voilà, comme ça on prend pas trop de risques. Là, on va être obligé d'en prendre, en fait. Voilà. C'est bon. Faut pas qu'ils viennent par ici. On va repasser par là. Normalement, ils vont tous aller voir la nurserie. Je suis fabuleux. On dirait le nom d'Abedoc. Deux molotox par jour. Oui, c'est vrai qu'on dirait le nom d'Abedoc, MTE. Un molotox 2000 mg. Ça fait 2 grammes, quoi. Faut qu'on se fait chier à compter comme ça, mais... Ça, impeccable. C'est pas ouf, ce que je fais, là. C'est pas génial. Il est temps de sortir de ma coquille. Oh, putain. Il veut pas rentrer là, hein. Quelqu'un veut désavouer. On est d'accord, il veut pas rentrer là, hein. Ce serait débile. Est-ce que tu penses que... Non, non, il peut pas rentrer dans les couloirs, non. Je crois qu'il se calme. C'est bon, chut. C'est bon, ils sont tout calmés. On va pouvoir cramer l'autre côté. L'expression, marcher sur des œufs. Oh, ta gueule, Rex. Putain. C'est bon, tout cramé. Aïe, aïe, ça crame, du coup. Moi aussi. Ok, chut. Oh, putain. Heureusement que je suis un gardement, parce que... Ah, c'est bon. Ah bah c'est bon. Tous les œufs ont été détruits. Les systèmes d'extinction ont pris feu. Ok, bon, il faut se barrer maintenant. Ok, go. On a pas peur des Blood Dragon. Feu bordel. Oulala. Allez, faut s'échapper du laboratoire secret qui explose. C'est ma phase préférée de tous les films du monde. Ok, go. Yes. Pécab. Pas pécab. ça veut dire que les Blood Dragons vont arriver, c'est ça? C'est mauvaise idée, hein. Oh putain, il est lent, le truc. Ah, c'est bon. J'ai défoncé sa cage pénienne, là. Donc du coup, normalement, il devrait se vénère aussi sur les autres soldats, qui arriveront peut-être un jour, d'ailleurs. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ah, ils sont là. Blip. Blip. Voilà. C'est le sprint final. Oh la vache, j'ai pris le laser en pleine gueule. Je l'ai pris en plein dans la mouille. Oh putain, en plein dans la mouille. Calme-toi. Tu ne me vois pas. Je suis pas là. Je ne suis pas là, petit dragon. Va voir là-bas si je suis pas. Et ils y allèrent. S'il te plaît, va voir là-bas. Viens pas me voir là. J'ai aucun intérêt pour toi. Là-bas, regarde. Derrière. Chut. Me vois pas. Là. Il est où l'ascenseur? Il est arrivé? Recommandation, utilisez la tourelle. Sans blague. Va là-bas. Il va là-bas ou il va pas là-bas? Alors c'est la merde là, parce que là il est juste devant ma gueule. Meurs vite, meurs beaucoup plus vite. Tu meurs pas assez vite, petit Blood Dragon. Il est mort? Il a explosé, je crois. Ok, allez, on fait tout péter maintenant. Let's go, voilà. Ah, on est pas bien là? Oh si, on est bien là. Ça manque juste d'un thème bien cheesy, genre She's on fire and she moves in the night at the speed of light. She's on fire. Tu vois ce que je veux dire? Impeccable, regarde, tranquillou, non?
J'aime bien ces phases-là. Mais j'aime bien ces phases-là quand elles sont pas trop longues. Il y en a une dans Medal of Honor, qui est quasiment exactement la même d'ailleurs. Mais elle est beaucoup, beaucoup trop longue dans Débarquement Allié. Elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longue. Et en plus, tu dois faire plusieurs passages. C'est insupportable. Mais celle-là, elle est bien. Je ferais bien la musique de Hulk Hogan. I am a real American. Fight for the life of every man. Je crois que c'est ça la chanson en plus. Allez, let's go. Yeah. Wouh. Le titan d'assaut hybride requin calmar. Je sais pas ce que c'est, je veux voir ce que c'est. Rien que cette scène est plus cool que n'importe quelle scène de Far Cry, quoi. Oh yes. Ah bah c'est ça le requin calmar. Ayonara, sushi. Oh putain. Faut pas dire des choses comme ça, Rex. Faut pas dire des choses comme ça, man. En fait, tu vas nous foutre dans la merde, Rex. C'était incroyable. Non, Doc. Chut. Il a rien dit, Vogel. Qui joue au poker. Twitch, il a rien dit. Ça, c'est incroyable. Ce que j'ai fait, c'est juste mon boulot. Ah. What is this shit? Super, c'est génial. Oh, c'est génial. I don't deal with psychos, I put them away. Ok. Bon bah écoutez, j'espère que le début de Blood Dragon vous a cru. Vas-y, mais ta gueule. Du coup, on a lui et lui à libérer encore. Et lui. Donc je vais faire ça hors stream, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, on reviendra pour faire le reste des missions. Ça va vraiment pas être long, hein. Ça va faire un stream d'une demi-heure à tout péter. Mais on fera ça. Et bah voilà, j'espère que ça vous a plu déjà de faire le début, de voir le début, et que ça vous a rappelé de regarder des bons films. J'espère que vous allez surtout mater ce soir, après le stream bien sûr, hein, A Hobo with a Shotgun, pour ceux qui l'ont pas encore vu, et que je comprends pas que vous l'ayez pas encore vu. En tout cas, moi je reviens dans quelques minutes, les potos, et on va se faire un petit, d'accord ? Allez, un petit, allez, retirez vos caleçons, ça arrive. Tac, allez, à tout de suite.